Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, vous le reconnaissez, de retour avec Antoine. Merci de m'accueillir pour la quatrième fois ici cette année dans la Vienne. Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui est prévu aujourd'hui? Bon, on s'en doute, mais... Ouais, écoute, la tâche de maïs, reste dans les 22 hectares sur une parcelle assez loin. Okay. On aura un peu de route, tout ça, donc ça va être sympa pour toi. C'est sympa pour faire des vues, ouais. Ouais. Et puis logiquement, bon, je te l'avais pas forcément dit, mais normalement les deux ensembles devraient tourner au SMI. Impeccable. Plus le chenillard, logiquement, a des chômés aussi. Donc si tout se passe bien, si le temps se lève, ça devrait être plutôt parfait. Oui, donc, ça devrait tourner plein pot. Plein pot. Les ensembles, on les présente plus? Non, ben forcément, maintenant tout le monde le connaît. L'UTRX, le Pérard, la S, le cueilleur. Le cueilleur, ouais. Voilà. Cueilleur 12 rangs, c'est ça? 12 rangs, 12 rangs, 12 ans. 12 rangs, impeccable. Avec le chariot Pérard aussi. Ouais, impeccable. Toujours. Le broyeur, il tournera derrière aussi? Broyeur, il tourne derrière. Le principe, si tu veux, quand on va être abattre comme ça, c'est qu'on veut que le broyeur soit au cul de la machine. Okay. De manière à ce qu'en fait, ça limite les risques de pirale, etc. Et nous, ça nous permet surtout d'avoir quelque chose de propre. Et quand le transbordeur va passer juste derrière la machine à vider, ce sera nickel. Ouais, il n'y aura pas de panne, okay. Ce sera impeccable. Donc, à tenir parfait, à suivre. Comme d'hab, quoi. L'équipe, quoi. L'équipe est là. Bon, voilà. Bah, tu ne retardes pas plus. On se retrouve du coup au champ et en cabine tout à l'heure. Ça marche, d'accord. On fait ça, pas de soucis. Bah, allez, go. Bon là du coup j'étais chercher un petit casse-dalle à la boulangerie tout vite. Je viens d'arriver sur un chantier de déchômage, donc bah ça je l'avais déjà filmé chez Antoine, hein. Donc le 9620RX avec le déchômeur Cockerling, l'allrounder, donc pour préparer les terres. Et juste là-bas, vous le voyez pas, mais il y a le 1050 qui est en train de semer aussi avec le semoir Cockerling. Je fais quelques images et puis on ira voir le chantier de moisson juste après. We'll be right back.
aller voir le déchaumage et le semi. Je suis revenu voir Antoine qu'on aille faire un petit tour en cabine. C'est parti. Bon voilà, j'ai pu aller voir tes collègues au semi, aux préparations. Ouais, nickel. Bon, semi de blé, je suppose. Ouais, semi de blé, ouais. Dernier semi de blé tendre avant d'attaquer les blés durs. Ouais. Bon, puis le chantier de moisson, bah, ça a l'air de... Ouais. De cracher à crever, ouais, comme tu dirais. Ça va plutôt pas mal, on est sur des gros indices là, tu vois. Et rendement en instantané, en humide, t'es à 160-170, un petit peu moins. Tu vas arriver à 20 pièces, on sera à mon avis à 145 sec. Donc aux normes. Ouais. Donc belle ouais, parcelle, belle variété aussi. Irrigué, bien sûr. Irrigué, bien entendu, dans ces terres-là, ça va très très bien. Il n'y a pas à dire, c'est énorme. Belle variété. Ah, puis ce qui est pas mal, c'est ce que j'ai vu en suivant sur, bah, du coup, dans les stories, ouais. C'est que tu, cet été après la moisson, tu as toutes tes cartes, tes classeurs, ouais. Tout est rangé. En fait, alors par outil, si tu veux, on va avoir le classeur. Là, tu vois, par exemple, je vais l'avoir je vais l'avoir ici, là-dessus, ben, je vais avoir tous mes différents îlots. Les maïs, on a les indices, on a tout marqué dessus. C'est reporté là-dessus avec Fieldview, donc ça permet de pouvoir croiser. On va la synchroniser pour avoir tout sur l'ordi et pouvoir récupérer sur le téléphone. Ouais. Parce que du coup, tu peux l'avoir directement sur ton téléphone tout le temps. À portée de main, tu te balades dans le champ, tu te balades, toujours avec la tablette. Oui, bah oui. Normal. Et puis bah, ce qui est bien, c'est que là dernièrement, j'avais vu qu'ils avaient sorti une fonctionnalité où tu pouvais créer tes cartes de modulation par rapport à l'application en direct en fait. Avant, il fallait y avoir tout un cheminement. Ouais, parce que j'avais entendu qu'avant, c'était un peu une galère à mettre en place. C'est sûr qu'on va pouvoir créer beaucoup plus aller beaucoup plus loin que ce qu'on allait pour le moment. Donc, toujours pareil, dans le but de pouvoir limiter tes intrants. Et puis, pouvoir garder des coûts cohérents avec les intrants, surtout en ce moment. Bah ouais, surtout la rareté, mais le mieux c'est de pouvoir le mettre vraiment comme il faut, quoi. Donc, sans mettre de trop, parce que non plus. Inutilement du moins. De toute façon ça servira à rien. Donc, on va se remettre dans les grandes longueurs, puis ce qu'on va faire, c'est que tu vas aller tester en direct Machine Sync, tu vas voir ce que ça donne. Ouais, je voulais t'aider, mais comme il y avait un peu de boulot quand même à faire. C'était ça, donc là si tu veux on va avoir la possibilité de le faire, donc ce qu'on va faire c'est que tu vas aller monter avec Thomas là, et puis ça te permettra de faire 2-3 plans sur le cabine avec lui, et puis voilà, il pourra te parler un peu plus. Il explique en 2 secondes pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Ah oui, le Machine Sync en fait c'est très simple, les deux machines, donc là il n'y a qu'une machine, mais le transporteur et la machine sont reliés par un wifi, elles communiquent entre elles. Et en fait, à partir du moment où le transborder va arriver juste en dessous de la vis, il va activer son GPS et c'est moi qui vais prendre le contrôle du transborder. Et avec la petite molette, je vais le faire avancer ou reculer en fonction de l'endroit où je veux vider dans le transbo. Ce qui permet de ne pas perdre de temps et de pouvoir faire des transbos, comme on dit chez nous, transbo digne de ça. À la gueule, voilà. Histoire de dire. Pour que ça y emmène. Ah, faut que ça y emmène à crever, exactement, tu as tout compris. On va aller faire ça dans les grandes tailles comme ça. Ouais, je vais aller monter avec Thomas puis j'irai faire après 2-3 images puis ça sera bien. Ça s'arrête en bout et puis on se remet. Ça roule. Impeccable. Allez Tom, on va faire un échange de sièges passagers. Ça roule. Tu vas lui montrer comment ça marche le machine sync à notre chef. Tu lui montres juste ou il le fait? Ah non, il le fait. Hein. Donc là c'est lui là, qui gère. Là c'est Antoine qui l'a repris là. Là c'est Antoine qui gère. C'est connecté à la machine et... Ça ne pas toujours autant. Donc marche avant, marche arrière, c'est Antoine qui gère avec sa molette qu'il a sous sa manette. Ouais. Et la direction, c'est... C'est pas du partage de ligne. Non. Si lui il est sur... Si lui il tourne le volant, le tracteur vient tourner, tourner en même temps. Donc là c'est quand même précis la pesée. Hein. Ah ouais, c'est... Aux 5 kilos près. Bah, c'est tous les 5 kilos ça monte. Ouais. Voilà, quand tu cherches forcément. Oui, 5 kilos par 5 kilos. Ça fait plutôt 50 par 50 des fois, mais. Si on le voit entre mon tonnage fin de parcelle et le tonnage au silo, c'est 500 kilos près. C'est ouf ça. C'est impressionnant. Donc là, on a fini de vider. J'ai donné une impulsion, ça déconnecte le machine sync, c'est moi qui reprends la main. Et on va finir de remplir la benne. Ok. Et après, tu prendras la main. Allez hop. Je laisse le soin de ne pas écraser mon appareil photo. T'inquiète, ça devrait le faire. Et tu passes en mode voilà. Donc là, j'arrive.
J'arrive dans mon carré du coup. Voilà, exactement. Mais à peu près. Tu mets moitié du tracteur ou un peu plus à gauche? Un peu plus à gauche. Un peu plus à gauche, ouais. Ok. Hop, vas-y. Hop, lance-le. Mets tes gaz. Et voilà. Là, il a pris. Là, il a pris, c'est lui qui gère. Donc le tracteur va avancer à la vitesse de la machine. Ouais. Il va la direction comme on disait tout à l'heure. S'il tourne. S'il tourne, ça tourne. Donc là, tu donnes n'importe quoi, n'importe quoi. Peu importe. Voilà, t'es désactivé. Tu peux enlever tes gaz à la molette, parce que ça sert plus à rien et puis. Roule. Puis go béni. C'est ça. Il vire tout seul, ok. Voilà. Vas-y, donc là, ta vis dans l'autre sens. Tu tires, elle va sortir. Bon, là, c'est de la triche, je reprends tes traces. Bah, méfie-toi. Ouais. Ça sort jusqu'en haut? Ouais, à fond, voilà. Ok. Le 1, plein gaz, vas-y, appuie. Plein gaz, puis tu déclenches ta... Attends, ah, tu fais start là-haut. Start and stop, là. Impeccable. Et prise de force. T'appuies, tu pousses. T'appuies, tu pousses. Et là, c'est parti. Et là, ça part. Petite caméra, impeccable. Oh, la qualité de la caméra, en plus. Bah, t'es en HD. C'est vrai. Ah, tu peux même attendre un peu, je sais pas où c'est côté bâche, mais tu peux attendre un peu que ça monte quoi. Voilà, c'est bon, lâche. Ok. Tu fais stop là-haut sur l'écran et t'enlèves ta tempo, ton régime. Enfin, ton régime. Et tu fermes ta vis. Tac. J'ai pu essayer lui Terix, j'ai fini mes images, on va aller voir Antoine ensemble, lui dire au revoir, alors merci de m'avoir comme d'habitude accueilli sur le chantier. Bon, moi j'ai fini les images, lui Terix, un confort incroyable. La folie. Ouais, c'est une folie. D'ailleurs il arrive le Thomas. Bon, il te reste pas grand chose, trois longueurs. Ouais. Du coup, en rendement final? Rendement final, on va être aux alentours des 145, je pense, sec. Donc, très belle parcelle. Ouais. Très, très belle parcelle. De toute façon, ça se voyait, ça crachait. Il suivait juste derrière, donc c'est nickel. Franchement, nickel. Parfait. Il est magnifique, ce dingue. Ouais. Et puis là, regarde, moi, ça, toutes les conditions. Il a compris, je pense là. Que c'était la fin de la vidéo. Ouais, c'est ça, nickel. Il sait. Aussi, impeccable. Nickel. Non, moi, je vais prendre la route, 6 heures de route. Mais, bon courage à toi. Bonne route, surtout. Comme là, ouais. Mais ça fait toujours plaisir. Merci pour l'accueil en tout cas. T'es toujours le bienvenu, tu le sais Loïc. Hein, merci donc, bien. Ma foi. Thomas, t'as compris. À bientôt. Salut, sur, lui sur Instagram, Tony FDA, puis toi, Thomas Dayan sur TikTok. Mon TikToker. Tu toujours. Ah, t'inquiète. Les gars, merci pour l'accueil. Pas de soucis, t'inquiète. À bientôt. À une prochaine. Ciao. En tout cas, bon courage. Salut. À toi. À la prochaine. Allez, go. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous le reconnaissez, vous avez vu le matos. De retour avec Antoine, salut Antoine, merci de t'accueillir bien sûr. Net carrément. Impeccable. Je t'auto-accueille. Ah, il m'accueille chez moi. Chez toi. Oh, merci, ça fait plaisir. Tu laisses tourner les bêtisiers sur rien. Ouais ouais. Est-ce qu'il y a moyen les conneries. Il est mort de hey, bâtard. Thomas, oublie pas que je viens dans la cabine tout à l'heure, t'auras un micro aussi. We'll be right back.
va pas d'aussi près, frère. Si ? Ok. Bah, t'as un peu niqué l'interview, espèce de petit con. La prochaine fois que tu fais ça, je te chie sur ta tête. C'est vrai, c'est vrai. Non, il le fait. Hein. Ah bah là, tu me dis, tu lui montres. Je lui montre pas, y'a pas de soucis. Hein. Non, ça marche, ok. Il casse les couilles à faire le mec avec les langues françaises, là. Sans déconner. Ça peut se faire. C'est drôle, toi, j'ai pas l'habitude de faire ça, moi. Ah, tu vois je me foutais de la gueule en zone ce matin parce que. Je me fais de plus en plus. Non, mais là, tu reprends quand tu vas travailler. J'ai plus de batterie dans la GoPro. T'as quand même réussi à faire ce qu'il fallait, non? Ah non, t'as pas vu qu'on a chié le machine sync tout à l'heure? Vu que j'étais en mode pédale, il a déconnecté. Donc il me reprend le volant et tout le bordel, donc ça fait un peu gitan quand même. Bêtisier. Tu vois ma bite?